Mon état de santé est parfait aujourd'hui et c'est pour cela que je suis venu chez le président ce matin. D'abord, je voudrais féliciter et remercier le président et toute son équipe pour le travail colossal qui a été abattu. Ces 4 derniers mois ont été très difficiles pour les autorités. Mais vous savez, un peuple vit d'espoir. Ce qu'il a ne lui suffit plus, il faut le faire rêver. Il a besoin d'espérance. Et le président a su donner cet espoir aux Maliens. En ce qui me concerne, sous son autorité, pour ainsi dire, nous sommes condamnés à réussir parce qu'il n'y a pas autre choix. Quand on décide de prendre sa souveraineté en main, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de marche arrière. Je suis donc déterminé à ses côtés à conduire l'action qu'il m'aura confiée, que les Maliens m'auront confiée jusqu'au bout.